Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Europa Universalis 4 en multi avec Jay Squadron et Xalorian. Salut les gens. Bonjour tout le monde. Salut à tous. Et on reprend notre glorieux. Je vois que le Polonais a quelques problèmes de prétendant. Et se fait complètement manger d'ailleurs. Ouais, ça va être marrant ça. Putain, je peux pas. J'ai plus d'alliés moi, c'est tout simple. Je n'existe plus. C'est quoi ces troupes là? T'as plus d'alliés? Non mais très bientôt hein. Pologne. Bon, la Pologne va exploser la garage. Bad, oui, bad. Toujours bad. Non mais vas-y quoi. Ah, je pourrais t'accorder l'électorat si t'étais catholique d'ailleurs, Brunswick. Bah voilà. Si tu acceptais de. Oula. Oh merde, Brunswick, fidèle allié. Oh merde. Par l'Autriche. Ouais. Autriche, Italie, Lituanie, Espagne, plus, t'as pas d'allié, quoi. Et Savoie. Ah mais attends. Note, je suis empereur, donc je suis co-belligérant. Donc, non, la Savoie a rejoint côté de l'autre côté. C'est bizarre parce que étant co-belligérant automatique, bah, je sais pas, moi j'ai vu un truc. Recevoir un appel aux armes défensives. Ah mais je pensais, ah merde, je pensais que j'étais de ton côté. Bah ben, non. Ah mais c'est pas grave. L'Espagne et tout le bordel là, c'est un peu violent quand même. Hein. Ouais, surtout que ouais, bah, je pense que c'est la mort. Ah mais non, assurée. Mais si c'est ça. Bah mais si ouais, c'est bon. Ouais, bah amusez-vous bien. Ah super, ouais. Pardon. Timing de merde. Bon, attends, ouais, un petit peu avant la pause là, je pense rapidement. Ouais, moi aussi. Je suis désolé hein. C'est pas que je veux pas hein, mais très honnêtement là, on va descendre vitesse 2. Et tu me dis quand t'es prêt à faire pause. Ah oh, mon dieu, ils acceptent même plus la paix avec moi, même si j'ai 65% du score contre eux, parce que ben et que j'ai la capitale et tout. Parce qu'ils savent très bien que je vais me faire manger la tête. Ouais, je pense qu'ils savent. Bon après, Xalo, moi j'ai 50 000 hommes, toi t'en as 50 000 à peu près aussi. Ouais, je peux me prendre quand à même, peu près. Je veux dire, on n'est pas non plus de la merde. 25 000 mercenaires que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Puis moi, on peut acheter aussi, comment dire, ma non-affectation dans le conflit. Voilà. Bah, je te proposerai un traité de paix, mais ça dépend ce que tu veux, quoi. Ouais, moi, je vous envoie du café. Merci. Écoute, il y a un truc où on pourrait s'arranger. un petit instant, voilà, j'ai fait le plus de mercenaires que je pouvais. Il y a un truc où on pourrait s'arranger, monsieur l'empereur. Non, parce que je vais pouvoir finir une de mes deux guerres, moi, et peut-être inviter la France dedans, du coup. Ah, ce serait tellement royal. Je devrais être co-belligérant. Comment ça, je suis pas co-belligérant? Bah, si t'es pas Ah, mais non, c'est en interne à l'Empire. C'est en interne à l'Empire, donc je ne suis pas co-belligérant. Ah bah c'est bon. Tu es belligérant tout court. Qu'est-ce que tu es Espagne fait dans ce conflit? Bon, belligérant tout court, ouais. What the fuck? Bah, parce qu'elle est alliée avec l'Autriche. C'est pas là où ça prend la guerre, ou c'est la vraie rejoint. Je finis ma guerre vite fait, et puis j'arrive. Mais un conseil, Xalo, tu devrais rapatrier tes troupes vers là où je suis. J'ai mes deux sièges qui sont à 35 et 21%. Dès que je les ai finis, je boucle cette guerre. Si je suis à Geldre et à Flandre, ouais. Dans les Flandres. Okay, donc juste au sud de la Hollande justement. Ouais, je te conseille de venir par là. On peut commencer à siéger du coup de ce côté-là de l'Autriche, genre Breda, Vlaanderen, tout ça. Et puis bah au pire, moi j'ai quand même des forts de niveau max, enfin niveau 6, donc ils ouais, vont moi, quand même. Moi j'aurais, je suis très surpris. J'aurais dû faire des forts avant ça, ouais effectivement. Mais bon. Ah effectivement ouais. Déplace vers là-bas. Bon, c'est quand vous voulez. Ah ouais, t'as des forts de niveau 2, oui. Ça va tomber très vite. Bon, bien, allons-y, ouais. Camarade. Je vais juste m'assurer que ma flotte ne se fasse pas imploser aussi. Tu me dis que ça n'a rien. Ouais. C'est prêt. Allez, c'est parti. Va falloir qu'on les laisse nous attaquer dans des montagnes ou dans des forêts ou des trucs comme ça et ça devrait le faire, quoi. De toute façon, ils arrivent, vous inquiétez pas. Je vois, il y a tout le monde qui arrive, là. Ouais. Je vais avoir une baston en chemin, je crois. Non. Ok, j'ai pris Geldre. Ok, je vais juste... Ouais, fais gaffe parce que t'as construit plein de troupes qui vont se faire éclater, là. Ah, ok. Alors, Geldre, je devrais pouvoir demander la paix. Imposer la religion. Ah merde, ça, 118%. Putain, ça passe pas. Fuck. Fuck. Okay. Bon, je suis au port déjà au moins. Je viens de me faire attaquer par 65 000 troupes que j'ai jamais vu arriver, qui viennent d'apparaître directement sur tous mes troupes. Quoi?
Mais c'est une guerre pour quoi, en fait? C'est quoi le casus belli? Mais... Voilà, d'ailleurs, la deuxième guerre. Si tu peux envoyer un peu de soutien, on peut gagner peut-être cette guerre, cette baston. Ouais, j'arrive. Ah non, les étapes de qui arrivent encore. On oublie. On annule, on annule. Putain, ah, merde. Tu t'enfuis? Ouais, y'a pas le choix. J'ai sauvé le plus de troupes possible. D'ailleurs, j'ai une nouvelle mission. Quand on passe, approche le premier rival. Il y a un joli stack de 72. Bon, le problème, c'est que j'ai très peu d'effectifs. Hein. Putain, pourquoi t'étais pas avec la France? Les nobles sont très... La France n'acceptait pas l'alliance du tout. J'étais en train d'augmenter. Mais de rendre ça possible. La Russie était tout près de vouloir m'allier aussi. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et les Ottomans, pas loin non plus. Et j'ai pas eu le temps. Moi, ça a chié. Ah, c'est sûr que c'est ballot. Paix blanche, pour le coup, non, d'accord. Merde. Moi, je peux pas sortir de la zone où je suis, Xalo. Je suis bloqué par les forts. Donc, je te préviens. Mais j'essaie de venir sneaky, mais j'ai peur de me faire coincer avec tous mes troupes. Peu de morale, mais je vais essayer quand même. Non, 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 pas là. Merde, je suis coincé là. Je suis vraiment désolé pour vous. Les blasements bloqués. Mon vassal va se faire. Non, ça va. On va garder un peu de thune de côté au cas où, quand même. Ah oui, donc. Casus Belli. Ouais, Xalo, fais évacue là parce qu'il est en train de venir te voir. Putain, toujours. Ah, que c'est casse-couille. C'est quoi qu'il y a comme armée là? État pontifico. Ouais, 25 000 hommes de l'état. Ouais, je peux pas m'enfuir, mais je vais essayer d'en faire après. Évacue là, évacue. Je peux pas, ouais, je suis. Tu t'es mis dans des bois. Il a que moins un. Moral, c'est incroyable. Tu vas te faire éclater. Ouais. Non, mais t'avais pas récupéré le moral de la bataille précédente déjà. Non, pas encore tout à fait, mais j'étais à 75%. Moi, je peux évacuer vers. Bah, tu sais, Xalo, si là tu t'en prends une comme ça, au moins tout le monde se sera pris au moins un truc pendant cette partie. Voilà. Je m'en suis pris 8. Clair, mais bon, moi je suis dedans, tu vois, donc je préférais essayer de faire en sorte qu'on gagne. Mais j'ai réussi à m'enfuir. Ouais, c'est impressionnant, au moins, hein. Je pense. Vraiment, c'est... Cette partie m'épate, franchement, c'est. Non, mais tu peux pas descendre à travers la Cologne là et venir dans cette zone là autrichienne? Oui, c'est ce que je fais. Déjà, ok. Moi j'essaie de rester en soutien des 6000 lourins qui sont là. Alors par contre, pour ma non-intervention dans cette guerre, il faudra que je puisse prendre la province, la dernière province suisse, dans le Serge, sans que ça ne pose problème, évidemment. De quoi, qu'est-ce que tu veux? Pour ma non-application dans le conflit, il faudra que je puisse prendre la dernière province suisse, qui est dans le Serge. Ah bah ouais, mais il est pas dans la guerre. Oui, mais je la prendrai un jour. Suisse. Et il faudra pas intervenir. Ah bah oui, mais fais-toi plaise. Voili, voilou. Si tu veux, je lui déclarerai peut-être moi-même la guerre. Ça me gêne pas spécialement. On va falloir reprendre le dépôt, mais on peut déjà s'avancer. Dans les bois et tout, là, je vais attendre de reprendre un peu mon moral. Enfin. Je me prends un peu la pression ici. Ah, tellement de pop-up en même temps. Les nobles, j'en ai rien à foutre, donc les nobles peuvent perdre leur loyauté, je m'en. Ils ont un peu séparé leurs armées, leur. Ouais, non, j'ai rien dit. Ils ont rien séparé du tout. Mariage royal de la Pologne, ouais, je veux bien, mais tu sers plus à grand chose, toi, la Pologne. Il a pas d'armée, il a rien. Putain, la Lituanie, comment il l'a bouffé? Non, mais il va s'en remettre. La Russie, par contre, elle fait un petit peu peur, les gens. Entre la Russie et l'Ottoman, je sais pas comment on va terminer cette guerre, mais je vous sens quand même pas super fort. C'est clair. Moi, ça va, je suis serein, là, j'ai choisi mon camp. Maintenant, ça va chier. Oh merde. Ouais, parce que, ouais. Putain. On a un stack de 40 qui arrive. Je vais rester en. Non, t'avances pas, Xalo, reste là où tu es. Parce que moi, je peux venir en soutien là où tu es. J'ai pris des doctrines navales. Uniforme pontificale, il est tellement stylé. Merde. Il est en train de m'assiéger chez moi, cet enfoiré. On peut l'attaquer à cet endroit-là. Ça nous laisse le temps peut-être de. La Suède veut se rallier. Attends un peu. Un petit peu. Vas-y, invite. Ah, je peux pas l'inviter. Ah oui, invite, je peux si pas venir, invite. On est en guerre, ouais. Il veut pas. Merde. Bah, il y a la Lituanie aussi, hein. Putain, fais chier. Lituanie. Je vais envoyer un stack reprendre le Lunebourg. Parce que c'est l'objectif de guerre.
bon, bref. Ça fera toujours ça de prix. Il y a possible que Pologne se rejoigne le conflit aussi si on réussit. Juillet 78. Relativement bientôt. On n'a pas grand chose à foutre hein, de notre côté, très honnêtement. Ouais, bah moi aussi, c'est pareil, si tu veux, on peut discuter de choses et d'autres. Bah, présente-moi un peu ton truc là. Je vois tout maintenant. En fait, toi, c'est l'île tout à gauche, c'est ça? Hollande là. Bah, moi, c'est. Oui, c'est l'île tout à gauche là. Ah, c'est bah, la Lorraine se fait éclater. C'est quelques îles qui sont près de l'Australie. Je vais lui dire de se rejoindre à moi s'il peut. Ah, elle est sympa la petite île en dessous. Il y a ma capitale qui va. Ouais, c'est en train de se faire là, l'espèce de mini. C'est quoi ces 31K? Ouais, ouais. C'est le grand truc. T'as d'autres trucs? Tu veux qu'on s'attaque aux 42 qui sont sur ma capitale? Là, t'as commencé en Nouvelle-Zélande. 84 pour rejoindre peut-être. C'est dans les prairies par contre. Et j'attends l'opportunité pour attaquer les. Si on attaque, il vaut mieux attaquer dans les prairies. Je vais amener. Espagnol? Ouais. On peut peut-être faire un. Attends, les 86 Autrichiens, je veux savoir ce qu'ils font. Où ils vont. Ça, on les laisse aller au nord, peut-être un peu. Ouais, enfin, ils viennent vers mon nord, là où il y a mes troupes à moi, en fait. Ah, ah, je les vois des signes, je vais voir le même endroit. Ouais, je vais essayer de rester un peu groupé parce que si je me prends le stack de 86, ça va pas le faire. Ton stack de 50, il va se faire défoncer là. Je vais pas avoir une autre position par contre. On est quand même dans les bois. Ils sont en train de venir sur moi, je pense. Non. Qu'est-ce qu'il faut? Ils sont en train de repartir. Je sais pas ce qu'ils font. Ils ont l'air de s'amuser. Oh, déjà un vaisseau de pont. Venez voir. Attends, parce que je suis en train de prendre un fort là, le fort de Cologne, justement. Alors attends, laisse les venir, ils se mettent tous. Ouais, bon, je sais vraiment pas ce qu'ils font, les Autrichiens. Je suis vraiment. Ça me fait. J'ai peur tout le temps. Ah merde, j'ai instant perdu. Instant état de peur ultime. Ah ouais. Si je peux faire tomber le fort de Koblenz, au moins c'est vraiment difficile de toujours être bloqué par ça. Attends, ils sont 132 000. Bon, ils se prennent. Ouais, c'est tapé de l'attrition de fou aussi. Un peu d'attrition. 2% sur 134 000. Tunis, Ottoman. Ouh, l'Espagne est en guerre contre l'Ottoman. 5%. 5% que Xalo, ils se prennent. Oh là 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 là. Non, juste contre. Ah oui, Tunis, ouais. Et donc l'Ottoman, ouais. Ah, et donc opportunité pour moi. Puis ils ont annulé le siège sur ta capitale aussi, non? Non, j'ai perdu Bad. Ah, ok, oui, je vois. Ah, il faudrait que je puisse récupérer des troupes dans le coin. On va essayer de se réunir un petit peu là. Bon, je vais faire tomber un de ces forts. 90%. Ah, ouais, mais on a la nouvelle infanterie, nouvelle cavalerie au prochain niveau de tech. Ça fait un petit peu chier de pas la prendre. Ah, t'es pas mal un niveau tech, hein, toi. Tellement pas ce qu'il faut. Je vais essayer de choper les 12K qui traînent. Ça va. 22, ouais. Oui, non, mais ça, c'est normal, c'est une province de merde. Ok. Bon, je lui ai éclaté 12K. Y en a qui s'en viennent en vitesse grand ville. Non, mais ouais, mais t'inquiète, je devrais arriver à éliminer son armée. Ouais, ça devrait être sur l'état, ouais. Et on a pris Cologne. On va essayer de se regrouper. Il a plus de morale, là. S'il arrive à rejoindre, franchement, avant que son armée meure, voilà. Je me recule. C'est en position défensive, je traverse. Alors, les armées nationales de l'Espagne, sans c'est quoi vouloir le faire. Ça va à S par contre, ouais. D'accord. 41 000, ah, c'est bon. Oh putain, 65 000. Hein. Merde. Ouais, faut qu'on prenne la province le fort, ouais. Faut qu'on prenne ce fort là pour se déplacer. Ça nous permettra de mieux manœuvrer dans les environs. Ouais, c'est clair. Ouais. Je vais essayer quand même de. Voyons voir. Si je mets ça là, 161 bateaux. Mettre là, voilà. Essayer de reprendre un peu des provinces qui tapent. Qui font le blocus, hein. Ah, il est en train de faire mumus chez moi. Je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont, les bateaux espagnols. Alors j'ai repris Nassau. Je vais aller reprendre le Lunebourg. Il y a Autriche, Portugal, Savoie et Khmer. L'Autriche était en guerre également contre l'Ottoman. Non. Par contre, Geldre, oui. Ah, je sais pas ce qu'ils font, il y a 75K qui s'approchent là. Hartung. C'est une idée de merde ça. Non, ça si va. Notre score de guerre tombe au-dessus de moins 25, je pense que je peux appeler le haut à la Pologne. Laisse-moi vérifier. Ouais, bah t'es à moins 30. la Pologne est en train d'imploser. Hein. Bah, si j'arrive à prendre le Lunebourg, ça devrait passer. Et la Pologne en plus serait directement en guerre contre la Lituanie et se ferait écraser. Mais bon. Oui, mais après la Lituanie est déjà dans la guerre de toute façon. Hein. Ouais, la Pologne, ça sert pas à grand chose. C'est pas un gros allié, non, effectivement. Bon, tu peux toujours essayer, hein.
Allez, je vais reprendre l'objectif de guerre là. Yes, c'est bon. J'étais à moins 7%, le mur est tombé. Le mur est tombé ici, donc on va pouvoir au moins manœuvrer vraiment facilement. Beaucoup plus facilement en tout cas. Ça c'est bon. Tu sais quoi, je vais t'envoyer de l'artillerie pour t'aider dans le siège. Une offre de la paix de Bohème, qu'est-ce qu'elle veut? Paix blanche, acceptez-vous. Dans mon guerre, ça. Ok. Mais les troupes espagnoles, elles sont genre chez vous ou pas du tout? Ouais, elles sont en Espagne. Il y a 90 000 hommes en Espagne. Mais ils sont bloqués avec la France en fait. Ils ont probablement pas d'accès militaire en fait. Ah, ils peuvent pas blairer la France. Ouais. Bon, ils sont en train de remonter sur l'objectif de guerre là. Donc quoi, ils sont 70 000. Honnêtement, le stack qu'il y a en bas, avec le stack qu'il y a en haut, on pourrait peut-être... Ouais, c'est pas une vraie guerre, en fait. Ils sont en train de se mener. C'est Est-ce qu'on prend... Une fois qu'on a pris le fort... Il faut qu'on prenne le siège, ouais. Ouais. Ça va les bloquer. Il y a 5K qui se traînent, là. Ouais, mais non. C'est les 5K, je veux pas me les faire avec les 36K qui sont derrière. Enfin, remarque, si j'envoie mes deux armées... Ouais, ça peut le faire. Je vais essayer de choper les 5K qui traînent. Et si les 37K, les 37K viennent en renfort, c'est quoi comme terrain? C'est... Oups là. C'est des bois par contre. Ouais. Non, stop. Ah, c'est toi qui vas être en défense ça, par contre. Ouais, non, mais c'est bon. Il m'a pas vu passer. Ça en vient peut-être ici. Merde, je suis obligé de faire le tour moi. Et que ça qui vaut le coup. Serfluge. Et ça va à Cologne. Serfluge. Ouais. C'est de ramener 30K. Ah mais il vient sur le fort qu'il y a derrière toi. C'est tellement pathétique la guerre avec Montferrat. Ils se tapent de l'attrition comme des fous furieux, ils vont brûler toute leur réserve. Bah j'aimerais bien. Ouais, moi aussi. 28% ça sur le fort peut-être. Qu'ils brûlent toute leur réserve. Bah moi en tout cas pendant ce temps là je prends cher, hein, je te le dis, avec toutes les provinces qui me prennent. Ah, c'est clair. Allez, 42% là, si ça pouvait passer, ça serait quand même cool. Ouais, j'entends un chant en arrière, un chant en arrière-plan. Ah ouais. C'est pas le mien. C'est le mien cette fois. Ok, j'ai repris. J'ai repris le Lunebourg. Je fais mon pénible. Ouais, mais sérieux. 5%. Allez, 42%, faut que ça tombe là. Je serais curieux de vérifier ils ont 30K aussi. Les réserves. Qu'est-ce qu'ils ont? Bah, il y a 47K. Tu devrais pouvoir proposer peut-être une offre de paix. Oh merde, je vais me faire choper. Oh, j'ai le fort. Ok, Putain. Dans des bois. Est-ce que tu penses qu'on renforce? Je vais essayer de renforcer un petit peu, mais il y a quand même du monde qui arrive. Ça a l'air extrêmement... Il y a 50 000 troupes complètement... Non, je suis en attaque. C'est beaucoup moins vivant ici. Vas-y, balance, renforce. Juste au cas où, là. J'ai quand même mon général... qui va être là aussi. Un général. Ah oui, mais toi, t'as un super général, c'est vrai. 6 de choc, ça va aider, ouais. Ça va jouer sur les lancers de dés, par contre. 5. Où est-ce qu'on mange? Bon, 4 contre 1, par contre, au moins. 8 contre 4. Allez. Ah, trop. Bah oui, il a fait un... Ouais, pourtant c'est ton 0. Ah, mais il a un 2-6 en face, le mec. Hein. Ah, merde, ouais, c'est ça. J'avais pas remarqué qu'il y avait aussi un 6. Ah, le 9. Ah, il faut qu'il fasse des 0. Ah, il a fait un 1. Pas trop mal. Allez, tenez bon. Ah, putain, non, on a plus rien. On a plus rien sur la ligne de front, donc... Enfin, remarque qu'il a pas grand-chose non plus. Ah mais on a du renfort. On avait et non, trop tard. Tout juste. C'est vraiment proche, ouais. Et on a perdu, j'ai perdu le siège de Sungo. Après, je serais curieux d'aller vérifier les réserves militaires d'Autriche présentement, ça doit être assez bon. Ah putain, je vais me faire stack wipe par l'état pontifical. Tu penses? Ouais. Il va m'attaquer mon artillerie. Fuck, c'est pas vrai quoi. Oh putain, mon artillerie quoi. Voilà.
Alors, on aurait probablement dû ne pas renforcer là et attendre plutôt. J'ai quand même perdu toutes mes armées. Ouais, ouais, non, mais c'était pas le bon. Bon, c'est l'heure de toute façon. Non. Ah, d'accord, ok, c'est à moi de conclure, pardon. Ouais. Bah, écoutez, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous, en tout cas, vous suivez bien la grosse guerre qui se passe dans le CR. Je pense que ça a l'air d'être intéressant et violent. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Ouais, je pense qu'elle est perdue. Hein. Ah. Ouais, malheureusement. On verra bien. Bah voilà, on verra bien. À la prochaine. Allez, merci à tous. Bientôt. Bye bye. Salut.